I think people just realize that this is a really unique game that like almost came out of nowhere. Là, ça a dépassé nos estimations et aujourd'hui, Rainbow est un jeu qui tous les jours gagne des joueurs. As two, if he gets one onto Slash, gets Avian down at two. Season 3 finals in Poland were just amazing plays, maybe the best plays, the best matches we've seen in the whole year. The game growing stronger, players getting better, people learn more, people watch more, engagement is higher. It's a snowball effect almost, and this is what we're seeing and hope to get for year 2 as well. A year in Rainbow Six Siege is 4 seasons, so 8 operators and 4 mid-season reinforcements. L'année 2, c'est une année dans laquelle on a prévu en tout cas de pousser la méta du jeu encore plus loin. Et les opérateurs qui arrivent dans l'avenir sont beaucoup plus représentatifs encore de la vision de Siege et ce que l'on veut faire. Et pas d'inquiétude pour les anciens opérateurs, ils iront toujours aussi à la table d'opératoire où ils seront refaits en partie certains, etc. Donc on maintiendra toujours l'ensemble de nos opérateurs. Ce qu'on sait, c'est qu'on a travaillé beaucoup sur l'anti-cheat première année, des recherches aussi côté code network, etc. Pour l'année 2, en fait, on va continuer à faire des efforts, en tout cas pour améliorer le confort. On va avoir une première milestone où on va modifier complètement le matchmaking. Une refonte du matchmaking à deux niveaux. Déjà, ça va être un matchmaking en une étape. On prend un pool de 10 joueurs. Dès qu'ils sont assemblés, hop, on redistribue d'un seul coup. Et d'un seul coup, les deux équipes sont faites. Et puis, plus que ça, une refonte aussi dans laquelle le matchmaking se fait sur une bulle, sur le côté. Ce qui fait que vous êtes libre d'agir quand vous voulez, où vous voulez dans les menus. On peut manipuler le jeu intégralement le temps que le matchmaking se fasse. Donc du confort et de la qualité de matchmaking. With Year 2 Season 1, one of the first things that the players is going to notice when opening up the game is the menu. We have revamped the whole menu into the player hub. So everything is accessible from this one page. Donc tout ce que l'on va faire dans le futur, sur les mois à venir, sur les saisons à venir et plus, pourront rentrer directement dans ces interfaces-là. Ce menu-là, il est prévu pour recevoir toutes les upgrades du futur. On va aussi envoyer du loot pour les joueurs. Et moi, j'ai envie de donner accès à quasiment toute la banque d'items que l'on a aujourd'hui dans le jeu. Mais en plus, on va remercier les joueurs pour leur temps de jeu. Vous jouez et on vous donne des loot packs que vous pourrez ouvrir gratuitement. Donc plus vous jouez, plus vous en avez. For year 2, we decided to put a high focus in building a stronger product. That means for this, we decided to put a lot of investment and efforts on one of the platforms. PC is becoming the main platform. So PC now has 3 different leagues. Pro League, Challenger League, and the Go4, which is the community league and grassroots level of competition. The two consoles as well have a competition program. We are introducing major leagues, both for PlayStation and Xbox, with the same format and scheduling as the PC. Every player on every platform has an entry point into the competition for Rainbow Six. We want to keep building, keep growing that competitive aspect that is so key and central to Rainbow. Faire une deuxième année, ça veut dire que ça marche, ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que le jeu a prouvé en fait tout ce qu'il devait faire et aujourd'hui on est au-delà de nos espérances, donc on est très heureux et cette année 2 c'est extraordinaire. Cette fois-ci on est en train d'envoyer un message ultra clair à tout le monde, ce pourquoi on se bat, je me bats en tout cas, c'est on est ici pour rester.